tactique préférée, c'est-à-dire partir un peu vite pour que tout le monde soit content, trouve sa place derrière, et après cadenasser un peu la course et puis démarrer de loin. Parce que son cheval a déjà couru 3000 mètres, il peut faire mal aujourd'hui. Et attention également à Tibérian. Hein. On a entendu tout à l'heure Olivier Pellier, hein, cheval émetteur, après sa victoire dans le Gros Chêne. Tibérian, quatrième du prix d'Hédouville, battu par Valguest. Il faisait sa rentrée, hein, Stéphane. Je pense qu'il va monter en puissance. Moi, j'aime beaucoup ce cheval. Présenté par Alain Couetil. Et vous noterez, hein, pour Close of Stars, qu'on a vraiment tout fait pour le calmer pendant la course avec un noseband croisé et un poney également sur la tête. Ce n'est pas un accessoire qu'utilise fréquemment André Fabre. Mais il l'utilise ici pour ce cheval gagnant du prix Ganet et deuxième de l'Arc de Triomphe. C'est la première fois qu'il a le bonnet, non ? Je pense. Oui, je pense aussi. Je ne l'ai jamais, oui. C'est une bonne idée. Il est détendu dans le parcours. Il va faire mal. Close of Star. On va mettre tout le monde d'accord. Oula, Gianni se mouille. Oh oui, intrinsèquement parlant, c'est le meilleur du lot. Maintenant, on connaît tous son talon d'Achille. Quatrième course du programme, c'est un groupe 2 et c'est le Grand Prix de Chantilly avec un très bon départ pour le numéro 6, Real Reason, pour également le numéro 3, Finch, qui vient à son extérieur, et pour l'allemand, Mitchingy's Secret, qui vient à leur intérieur, alors que l'on retrouve maintenant en quatrième position Tibérian devant Valgeist, alors que l'on retrouve à l'arrière et en net retrait désormais le numéro 4, Way to Paris, mais également le grandissime favori, Close of Stars, le numéro 7, le cheval qui porte le bonnet et qui donc, dans un premier temps, a été placé à l'arrière-garde par Michael Barzalona. C'est Rare Rhythm, le numéro 6, qui anime toujours devant Finch, la casaque verte au cross du prince Abdullah. Avec en troisième position, casaque rouge et vert, le numéro 5, Valgeist, avec à son extérieur le numéro 2, Tibérian, qui vient encore devant Dijingi Secrète. À son intérieur, Close of Stars est rapproché maintenant, galopant et pénultième. Nous avons en dernière position désormais le numéro 4, Way to Paris, casaque jaune, qui est porté par Christiane Demuro. Rare Rhythm, qui a toujours le meilleur, William Buick, qui est en selle. À son extérieur, toujours Finch, le numéro 3 avec Vincent Cheminot. En troisième position dans le sillage des premiers, toujours ce numéro 5, Valgeist, devant le 2, Tibérian, qui est quatrième avec Olivier Pellier. À son intérieur, Close of Stars avec Dijingi's Secret, qui est en avant-dernière position. Et toujours le numéro 4, Way to Paris, qui ferme la marche. Rare Rhythm, le numéro 6, toujours une longueur devant. Le 3, Finch, qui vient deuxième, alors qu'ils sont pratiquement dans le dernier tournant. Troisième position, Valgeist. En quatrième position, Tibérian, avec Close of Stars qui s'est faufilé côté corde et qui semble beaucoup plus calme que lors de ses dernières tentatives. Il y a également Dijingi's Secret qui est à l'arrière et vient avec le numéro 4, Way to Paris, qui est toujours à l'arrière-garde dans une course qui est emmenée par le numéro 6, Rare Rhythm. Rare Rhythm devant Finch qui est deuxième, avec en troisième position Valgeist, alors que Close of Stars poursuit son effort à la corde. Il est maintenant pointé en quatrième position pour entrer dans la dernière ligne droite. Rare Rhythm qui a le meilleur toque blanche à son extérieur, c'est Finch en troisième position. Close of Stars en quatrième position, c'est Valgeist avec Tibérian devant Dijingi's Secret, accompagné par Way to Paris qui est toujours en dernière position, à maintenant pratiquement 300 mètres du but. Rare Rhythm qui tente de réaccélérer, mais Valgeist, le numéro 5, qui maintenant est lancé par Pierre-Charles Boudot et qui prend l'avantage. Valgeist qui a pris le meilleur avec Dijingi's Secret qui est lancé à son extérieur. Close of Stars qui est là, accompagné par le numéro 4, Way to Paris à l'extérieur. Mais Valgeist maintenant qui a créé la décision va s'imposer nettement dans le Grand Prix de Chantilly. Dijingi's Secret est peut-être deuxième s'il a résisté aux 4 Way to Paris. Valgeist, le numéro 5, qui s'impose dans ce Grand Prix de Chantilly dans un style encore plus étourdissant qu'à l'occasion de sa victoire dans le Prix d'Hédouville, dans lequel il dominait Way to Paris, qui a bien terminé, qui porte le numéro 4 et qui est à la photographie pour la deuxième place avec le cheval allemand Dijingi's Secret, le numéro 1, qui a peut-être conservé d'ailleurs la deuxième place. Donc 5 AC4 dans cet ordre préférentiel devant le 6 Royal Rhythm. Close of Stars, on va débriefer rapidement. C'était le favori. Ça faisait très longtemps que Michael Barzalona ne l'avait pas eu aussi détendu durant le parcours. Mais ça fait très longtemps qu'il l'a aussi peu accéléré. Ouais, au moment ça n'a pas marché. Quand bien même, il est un petit peu dans...